enregistrer la vidéo. Alors aujourd'hui, on est sur quoi? On est sur ça. Donc 4 centres d'euros. 9 avec la référence Matra. 2, 9, 4. Et ces centres d'euros vont sur quel type de jantes? Ils vont sur des jantes ici. Tiens, mes bidons d'huile. Je sais pas à quel moment je publierai la vidéo avant ou après celle-ci, mais enfin, bon, au final, c'est mes bidons d'huile. Et ce sont, pour ceux qui les ont reconnus, des jantes Olympi. Et des jantes Olympi, c'est quoi? En fait, sur la Vantime, vous pouvez avoir des jantes de 16 pouces, pas les plus fréquentes, des jantes de 17 pouces, les Rods. Celles-ci très fréquentes, qu'on retrouve encore aujourd'hui à un tarif défiant toute concurrence, c'est-à-dire vraiment pas cher du tout. Et des jantes de 18 pouces, qui pour le coup elles sont plus que rares. Ce sont des Olympies, fabriquées par Ronal. Et un peu le Graal de l'Aventimer, elles sont plutôt en bon état, sans être en état parfait. Bon, pour l'instant, on va monter ça comme ça, on verra plus tard. Donc, ces fameuses jantes Olympies sont les jantes que tout Aventimer qui se respecte cherche et doit avoir. J'ai pas trop réfléchi hier sur le bon coin, en vente, j'ai fait une proposition, on a trouvé un arrangement rapidement et livré ce jour. Voilà. C'était pas du tout prévu, mais alors pas du tout, du tout, parce que les jantes de la Fuego sont en train d'être tapées aussi. Donc on verra en fonction du résultat ce que ça donne après. Mais comment vous dire que je suis très content et que ça doit faire un peu quelques jaloux. Ça va rapidement faire des jaloux, je pense même. Waouh. Donc 18 pouces monté en 245. 45, 200, c'est ça. 245, 45 ZR18. Il faut les voir monter là comme ça, c'est vrai que ça rend pas forcément ce qu'on pense. Enfin, c'est peut-être pas l'idée. Enfin, on se rend pas vraiment compte. Mais elles sont super belles. Bon, il reste du boulot, il y a à voir. Puis aujourd'hui, je travaille un petit peu. À suivre au prochain numéro. Et au prochain numéro, ça va être le montage. On regarde ce qui se passe et comment tout ça fonctionne et la tête que ça donne à Nounours. Dans les suites. Ah, oh. Le nettoyage a eu lieu. Donc j'ai des petites retouches de peinture à faire que je ferai bientôt. Mais là, je les ai déjà nettoyées. On aura une petite retouche là. Ici. Je fais une petite retouche ici aussi là. Là. Voilà. Je n'ai pas fait grand chose, elles sont plutôt super belles. Donc voilà, il y a quelques petites unes, 2, 3, ça fera 4 là, une là. Bon, ça c'est de l'eau. Ok, sur celle-là, il n'y a rien. Non, peut-être ici là. Ouais, et sur celle-ci, il y a un petit peu. Là. Hein. Il y a des petits coups, mais je peux pas faire grand chose. Bon, là, les centres neufs. Comment vous dire que je suis happy, 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 happy. Ça va claquer. Voilà, bon.
Après, demain, je fais des petites retouches et puis ce week-end, je pense qu'on fera le montage pour voir la tête que ça met sur un avant-time. Bon, à suivre. Travail continu. Donc, peinture. Et ensuite. On va faire un léger travail de la plus abîmée, c'est celle qui est au milieu, celle-ci. Ça dépend les angles de vue, celle-ci aussi est un poil. Voilà. Bon, pour le coup, j'ai ma petite peinture, mes petits trous. Un peu de polish et puis on va frotter tout ça. Vivement le montage. Donc aujourd'hui, on va installer les petites jantes Olympie, on va changer les rods. Donc on va faire comme ça. On va normalement récupérer de quoi lever la voiture. Et puis, donc on a mis une vitesse, le frein à main. On enlève ces choses très précieuses, puisque comme je l'ai déjà dit, ça coûte plus cher que... On dessert. Dessert. Ouais. On fait comme si on changeait le rond, hein, donc il n'y a pas besoin de... Donc comme d'hab, on regarde bien les points de levage. C'est pas comme certains dire, idiots qui pensent que les... Attends, parce que là, le pneu il est en plein sur le... Voilà. Donc vraiment important, on prend appui sur un point de levage et pas... Pas n'importe où. Et puis si possible... Alors là, il y a des pavés, je vais chercher une cale en bois. Donc voilà, on va se mettre une petite cale en bois à l'histoire d'eux. Du coup, on va rebaisser. Ouais, c'est parce qu'il risque de parler de l'avant-time. C'est fait exprès quand même. On va répéter dans 5 minutes parce que... Alors, hop, on... juste une seconde. Ok, bon, la cale en bois vient de lâcher. S'en sortir. Okay. Dire, je vais la reculer la voiture, il faut la mettre alors on va enlever les caches en faisant bien attention parce que celui-là
Autant les autres, je les ai enlevés sans grande difficulté. Hop, voilà. Alors, on va le mettre dans la terre, ça évitera. Et normalement, la roue élevée. Je regarde ça. On va peut-être resoulever encore un peu. Alors. Et point de finition, là, bien aligné. Voilà. Ça, suivant. On voit pas trop à cause de... On va essayer de faire comme ça. Peut-être là, voilà. Je l'ai eu. Ça donne ça. La différence est... Non, comme ça. Voilà. C'est pas mal. En tout cas, on va continuer, mais il y a une vraie différence. Voilà. Deux installations, on est pas mal. On est bien. Allez, on va aller essayer tout ça bientôt pour des nouvelles aventures. On va nettoyer les anciennes. Je vais essayer d'enlever le soleil. Voilà, très joli. Je kiffe. Olympie. Salut.